Salut tout le monde, bienvenue sur une nouvelle vidéo. Alors je ne suis pas en live, c'est vraiment un petit record de plaisir parce que Wulong Fallen Dynasty est sorti. C'est les papas de Nioh, il me semble, qui ont fait le jeu. Je veux pas dire de bêtises parce que je suis plus trop sûr de mes sources. Mais en gros, c'est un jeu qui se rapproche beaucoup de Sekiro, qui est un From Software, et j'avais énormément aimé Sekiro. Sauf que là, j'ai vu un peu de gameplay, ça m'a l'air un peu plus RPG, ça a l'air d'être une aventure assez sympa. Je vais vous présenter un peu de gameplay. Donc, merci à vous d'avoir cliqué sur cette vidéo dans un premier temps. Si le contenu vous plaît de la chaîne, je vous invite à regarder les autres vidéos, à les liker et bien sûr à vous abonner pour suivre et soutenir la chaîne, ça fait plaisir. Donc, on va lancer tout de suite Wulong. Et c'est vraiment juste une vidéo gameplay. Pour le plaisir, quoi. Pour le plaisir à l'ancienne. J'ai galéré pour le son. Je peux vous dire, Donc j'espère que ça va être bien. Et là, s'il y a cinématique, bah, je vous laisse la cinématique parce que. Ma tête, elle est bien, mais. le jeu, c'est mieux, non? Bah, c'est parti. Kodai no Teo ra ga kozotte motometa sendou no hihou. タイン薬。秦の始皇帝も自らを不老不死とするため、その禁断の薬を望んだという。しかし、絶大な力を与えるタイン薬は世に災いもなしたとされ、秦が倒れた後も戦や権力を巡る暗闘の影には。 必ず丹薬があったという。時は流れ、漢王朝が衰微した今、再び丹薬の輝きを帯びた暗雲が世を包み、各地の眠れる竜を目覚めさせようとしている。 兄ちゃん、我らが弟の勢いをご覧あれ。皇天の世は目前ですぞ。天下大吉。 Bah ça commence mal. お助けくださり、ありがとうございます。あなたの傷が癒えてよかったです。見つけたぞ。不死の丹田を持つ者よ。 Ah, création du personnage? Incroyable. Et ben on va créer le personnage alors. Alors cinématique plutôt prenante. Hein. Le moteur graphique est un peu à l'ancienne, mais ça va. Silhouette non sélectionnée. Alors. Moi, type 1, type 2. Ok. Modèle d'apparence.
Bon, après, je vais pas en faire. S'il y en a un qui me plaît plus que d'autres, je regarde vite fait. Hein. On va pas passer 15 ans sur le. J'aime bien lui. Lui, j'aime bien. Lui, il est marrant. Lui, il me fait penser à. Merde. J'ai perdu le nom, l'ennemi de Gus dans Berserk, mais j'ai plus le nom. C'est pas grave. Au pire, on va partir sur le perso principal. Hein. Enfin, le modèle de base, je pense. Posture. C'est quoi? Ah, c'est les épaules. Les épaules, ok. On va pas s'embêter. Hein. On va pas s'embêter. Oui, voilà, mon corps, tout à fait. On va faire des choses simples. Hein. Cheveux. Ah oui, d'accord, ok. Ok. Ah oui, c'est vrai. On fait ce qu'on veut maintenant. Non mais je vais le garder de base, donc on peut tout modifier, pilosité faciale, moustache, maquillage, ok. Là-dessus, ça va. Voix. Comment j'écoute ? Ouais. J'aime bien celui-là. Ouais, la 3, elle est pas mal. Et la 3, c'est un middle. On fait comme ça, c'est parti. Bah oui. Non mais moi, mon perso, il me va très bien. Hein. Mon perso, il me va très très bien. Ça va le faire. Est-ce que retour cinématique. Quel beau gosse. Voilà. Ok. Ah, il me semble que j'aurais mis des voix japonaises, mais on est en Chine. Hein. C'est les japonais chinois. Écoutez. Village de montagne isolée. Ok, et eh ben début du jeu, découverte. Ok, il m'a donné un remède. Très bien. Alors attends, comment je me bats? Donc ça, attaque de base, ok. Ah oui, alors je vois que l'attaque forte, elle augmente une jauge, mais je pense qu'il vaut mieux pas que je la consomme trop. L'attaque de base, rien du tout. Je teste. C'est quoi? C'est un dash. Ok. Ça doit être mon endurance, en fait, que je bouffe. Alors, le jeu tourne en 60 FPS. Ok, bon, le tutoriel. Attaque normale. Oh. Bah, je m'en sors bien. Ouais, le jeu est optimisé en 60 FPS, là, sur PC. Ah mais si on peut tout piller, ça va déchirer. Par contre, c'est un vieux moteur, ça se voit. Le jeu est pas hyper beau, mais ça va, il y a vraiment pire. Il y a vraiment pire, et puis c'est largement jouable. Et ça, c'est bonheur. Or aussi, j'ai pas acheté le jeu, je suis sous abonnement Game Pass, puisqu'il est disponible Day One. Donc c'est plutôt agréable. C'est pas le genre de jeu vers lequel je me tourne d'habitude. À part Sekiro, parce que c'est un From Software, mais là, celui-là, il me titillait un peu. Sachant qu'on m'a dit qu'il était un peu moins difficile que les Nioh. Parce que Nioh est vraiment très, très, très exigeant. Pour moi, les jeux Nioh 1 et 2 sont beaucoup plus exigeants que des jeux From Software. Et du coup, voilà, la curiosité paye. Ok, vas-y. Ah la vache! Oulala! Ok. Oula, je vais crever. Je suis mort. Ah oui, d'accord, je me suis fait défaite écrasante. Ah. Du coup, je redescends à 0. C'est quoi ce 0? Ah, c'est pas une histoire de dégâts. Bloqué L1. Ah, c'est L1. Oh putain, je ne savais point. Ok. Revanche défié de nouveau. Ah, d'accord. Les muscles qui nous a tués augmentent, d'accord. Ok, d'accord. Donc.
Cependant, vous mourrez, nanana, vous perdez vos points de morale et la moitié de votre ki primordial lorsque vous êtes tué par un ennemi. Le niveau de morale de l'ennemi qui vous a tué augmente. D'accord. Donc, pour récupérer le ki primordial et les points de morale perdus, on élimine le même ennemi. Ok, d'accord, très bien. En gros, faut récupérer notre ki. Donc, on va récupérer notre ki. On peut pas courir? J'ai pas l'impression. Tiens. Toi, t'as repop. Ok, ça je maîtrise. Est-ce que je... j'ai l'impression que je peux bien verrouiller. Hop. Je pille. Bonjour, bonjour. Y'a rien. Bon, le tutoriel est un peu fat sur l'écran, mais ça va le faire. Ça va le faire, c'est normal, c'est le début. Ok, je verrouille comme ça. Allez, viens. Ok, là je l'ai paré. Ok, je l'ai paré avec... Bon, on va retenter avec lui. Voilà. Ok. Ok, ok. Enfin, avec Ron. Avec B. Mais ouais, ça passe. Ça passe, ça passe. Je pense que je commence à comprendre. Oh, c'est génial. C'est génial. Du coup, là, je suis à 1 de qui? Oh, il m'a fait peur, lui. Ok, ça décède. Donc là, je passe par là. Merci. Là, lui, il en a 4, du coup. Ah. Ouh. Hop là, petit soin parce que t'as un poil chaud. Mais ça va, c'est passé. On s'est vengé, je suis plutôt content. Ah, j'ai un bâton. Je peux équiper un bâton? Attends, attends, attends. Sabre circulaire, ok. Pas des hauts bâtons. Ah d'accord. Et puis chacune a des caractéristiques spécifiques. Là, j'ai plus de difficultés de parade. Mais je fais plus d'attaques... c'est peut-être moins intéressant. Sabre à pommeau circulaire, ok. Ah, est-ce que je peux en avoir deux? Ah, attendez, si j'ai deux sabres, là, ça déchire. Coup critique à l'ennemi. Paré. Oui, bah, c'est ce que je faisais, ok. Allez, viens. Allez, là, bah, bah, bah. Ouais, j'en ai deux, là, non? Ah non, non, j'ai qu'une arme. J'ai vraiment cru que j'avais deux armes. Tant pis. C'est lui. Ok. Alors, j'ai du mal à lire le texte en même temps. Je vais pas vous le cacher. Fragment de qui? Un coffre légendaire. Ah, ça, sur Diablo, en ce moment, j'en ai pas mal. Nice. Donc ça, c'est mon drapeau. Le jeu a planté. petit bug du jeu. Quand j'ai planté le drapeau, en fait, ça a bien fonctionné, mais je crois qu'il y a eu un patch qui a été sorti. Et du coup, j'ai dû faire une mise à jour patch. Donc ça arrive, ça peut arriver, c'est un day one. Tant pis, tant pis, tant pis. On reprend le jeu, c'est pas très grave. Note de bandit, des turbans jaunes. Ça fait quoi, ça, alors? Ok. Donc là, j'ai mon glossaire des personnages. D'accord. Donc ça, c'est pour le lore. Alors, je pense que le lore peut être intéressant. Hein, mais moi, je suis un sac, là. C'est vraiment... On va jouer gameplay. Fragment de ki primordial. Solidifié, il se dissout dans l'air lorsqu'il réagit avec le ki de son utilisateur. Octroie 300 de ki primordial lors de son utilisation. Ok. Ok, ok. Donc là, je peux me reposer. D'accord. Donc ça, c'est un peu mon feu de camp. Donc là, par exemple... Je vais... non, je vais... Dans mon inventaire, je vais utiliser le fragment de ki. Hop, j'utilise les trois là. Voilà. Donc là, j'ai plus de ki, je me repose. Monter d'un niveau. Voilà. Ok, PV, PV, PV. Vertu du métal, vertu de la terre, vertu du feu, vertu du bois. Vertu de l'eau. Alors là, qu'est-ce que j'ai monté?
Affecte les PV et le montant de l'esprit perdu lorsque vous subissez une attaque. Affecte le montant d'esprit gagné lorsque vous attaquez et l'esprit dépensé lors de l'utilisation d'arts martiaux. Affecte la limite de poids de l'équipement et le montant d'esprit gagné lorsque vous parez une attaque. Ah! Je pourrais jouer de parade en vrai. J'aime bien le délire parade, moi. Vas-y, on va mettre des points en parade. Plus je pars, mieux c'est. Sortilège. Qu'est-ce que j'ai appris? Est-ce que j'ai appris un sortilège? Alors. Donc j'ai un arbre de talent. D'accord, d'accord. Mais ça, c'est l'arbre de talent des sortilèges de la phase de bois. Avec une petite animation pour expliquer ce qui se passe. Fait s'abattre un éclair sur la cible sur un point précis. Ok. Le feu. Bien sûr, des sorts de feu, hein. Tant qu'à faire. Qu'est-ce que c'est le dernier de feu? Ah oui, d'accord. Ah ouais. Donc il y a plein de builds différents. Oh, c'est joli ça, une petite charge. Oh, j'aime bien moi la charge. J'aime bien la charge. Pendant un certain temps, les attaques ennemies vous infligeront moins de dégâts. Et ne vous feront pas vaciller à l'exception de certaines attaques puissantes. Ok, mais ça peut aider ça. Alors qu'une colonne de pierre devant vous, tout ennemi touchant cette colonne explosera. Ah, bon, vas-y hein. Allez, moi je suis chaud. Hein. Alors ça me fait peur quand j'entends les succès Xbox. Du coup, tout à l'heure ça a fait succès Xbox, ça m'a abusé. Donc là j'ai un sort. Comment j'équipe mon sort? On apprend. Équipement. Ah, j'ai une tenue. Qu'est-ce que... Ah, j'ai loot des trucs. Mais bien sûr. Mission anonyme. Alors là, ça m'augmente les coups de terre. Bon. Ok. Donc là, j'ai rien. Accessoire, ça, c'est pas mes sorts. Objet, j'ai rien d'autre. Je vais avoir une barre de sort. Arme à distance, non. Ah, les cailloux. Je peux balancer des cailloux. Ok. Vas-y, je suis chaud. Hein. Moi, je balance des cailloux. Les accessoires, j'ai rien. Description. Je peux pas mettre mes sorts pour l'instant. Wow. Attendez, c'est quand même bizarre cette affaire. Bah, where is my sword? My sword is disparu. Ah, attendez, je suis peut-être bête. C'est peut-être juste. Je tente, hein, je tente des trucs. Ça va arriver. Donc là, j'ai appris choisir les sortilèges maintenant. Donc là, en 1, je vais mettre explosion rocheuse. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ok. Donc, un sortilège, c'est R2 plus, ok, croix, X... Alors, c'est marrant, parce qu'on est sur Xbox, ils mettent des contrôles de PlayStation. Mais bon, bah écoutez... Ah, je pensais que ça explose, effectivement, mais moi, je pensais que c'était vraiment une explosion, genre, bah, il disparaît, le bonhomme, quoi. Ok, on est reparti. Est-ce qu'il y a un truc secret, là? Le truc, c'est que j'ai envie de tout fouiller. Je veux rien laisser derrière. Moi qui étais en mode, oh, ça se trouve, je vais jouer qu'une heure et tout, machin, de mon côté. Et, là, ça commence à bien me plaire, cette affaire. Ici, les drapeaux. Votre rang de bravoure est passé à 3. Trop fort, le Garen. Ah, je pensais que je pouvais passer. Oh, il y a des gars en dessous. Ok. Oh, quand j'arrive dans le dos assez vite, je peux faire des trucs bien. Ah. Oh là, c'est chaud. J'arrive. Dis-moi qu'il y a mon copain, parce que... Non. J'ai pas été bon, le Garen n'a pas été bon. Je m'excuse. Mais j'y vais arriver. Donc là, j'arrive là. Ok. Quand c'est orange, je peux faire un finishing. Est-ce qu'il faut que je reloot? Moi, je m'en fous, hein, je vais récupérer mes points là, du coup.
Hop, ça, ça dégage. Ok. Ok, j'ai paré. Nice. Bon, paré, c'est vraiment pas facile. Donc, lever des drapeaux, ça augmente ma bravoure. Donc, je suis de plus en plus fort, techniquement. Si je comprends bien. Là, ça fait beaucoup de drapeaux à mettre, quand même, non? Ok. Mais je dis pas du tout ce qu'il me dit, en plus, autre. Ça va finir en mode, je vais regarder une vidéo qui va m'expliquer l'histoire. Qu'est-ce qu'il a vu? Ok. Oula, oula. Heureusement que j'avais le dash. Hein. Ok, donc ça c'est bon. On avance, on avance. Il y a du monde là-bas. Oula! Toi. Oh, c'est beau ça! Ah, en plus, les esquives sont pas toutes pareilles en fonction des mobs qui nous attaquent. Ça, c'est grave bien. Ça, j'aime bien. Arts martiaux. R1. Ok. Oh, c'est beau ça! Ah, c'était stylé! Je suis pas mort. Voilà. Avec un peu de pratique, le jeu là il peut être très fun. Il peut y avoir des très jolis gameplay de combat. C'est grave cool. Ok. Oh putain de fumier. J'étais un peu bourrin, mais j'ai posé mon drapeau en même temps. Oh, lui, il va être costaud. Mais viens. Ok, c'est joli. Comme Sekiro, ça joue beaucoup à la... À l'esquive, à la parade. Grave cool. Franchement. Petite Madeleine de Proust. Non, vraiment très cool. Ninja. Team Ninja, il bosse bien quand même. Oh, bah ça. Ça sent le boss. Bon, on va voir si on arrive à faire un boss. Du coup, premier boss. Nanda Temir. Uretachi ni hamukau yatsu. Ikashou kanai. Ok. Je suis complètement planté dans ce que je voulais faire aussi. Hein. Désolé, je vous ai pas laissé la cinématique comme je voulais. Ok, je le lâche pas. Ok, tranquille. Ah, ok, c'est pas facile. C'est clairement pas facile. Ok, joli.
Ok, je me soigne. Merci. J'ai dit je me soigne. Heureusement qu'il y a quand même, il me donne quelques coups. Ok, ça c'est pas mal. Oh, oh! Ok, faut être concentré. Oh oui, 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 oui. Ok, ok, on se détend. On se détend. C'est pas mal, c'est pas mal ça, voilà. Je suis pas mauvais. Je suis pas mauvais. J'ai plus de potions, j'ai plus de potions. Ah. Bah là c'est la merde, j'ai plus de potions moi. Alors là, on va avoir une difficulté, une petite difficulté. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Oh, le fumier. Mais j'enchaîne très bien et à la fin, non. À chaque fois, je me prends ce coup de masse, alors que je mérite pas ce coup de masse. Time!
Oh, oh. It's a power. Au bout de 500 trails. Migoto a shoki o tsukamimashita ne. Kore de mura mo sukuare. Waga te ni. Nani o? Ochi wa. Ouryu, uwasa ni tagawanu chikara yo. Oh là là. This is the end. Doom, 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 doom. Na, 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 the end. Eh bah écoutez, c'était pas si mal. On est chié, mais on est chié sur ce boss. Capacito es. Capacito. Delighté. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Moi, j'en peux plus. Je me suis dit, ça se trouve, je vais jamais y arriver. I don't die. Je ne mourrai jamais. Yo 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 yo, c'est là que mon aventure va commencer pour de bon, de bon, de bon. Oulong, Fallen Dynasty. Eh ben dis donc, je suis sûr que le premier boss, il y en a plein, ils l'ont rushé. Hein. Je me sens un peu nul. Voilà. Voilà, voilà, voilà. J'espère que ça vous a plu. On va se laisser ici. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Oui, on peut dire une vidéo, puisque ce n'est pas une VOD. Je vous réinvite. Likez, partagez. Et bien sûr, commentez. Si vous voulez discuter un peu du jeu ou de mon niveau sur le jeu, ça ne m'étonnerait pas de vous. Hein, ça m'étonnerait pas de vous. Ou est-ce que vous avez pris le jeu? Est-ce que le jeu vous donne envie d'y jouer ou pas? N'hésitez pas et abonnez-vous. Ça fait plaisir. On n'est pas nombreux sur la chaîne, mais beaucoup de gens ne sont pas abonnés à la chaîne et regardent les vidéos. Donc merci à vous, likez, partagez, abonnez, et je me répète, donc on s'arrête là, allez tchou, bisous, hein, à bientôt.